Eh bien bonjour les clous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode des Simpsons, le jeu. Et je me fais bien accueillir par des fils d'extraterrestres. Alors aujourd'hui on va essayer de faire deux missions comme d'habitude. La dernière fois on avait fait une espèce de soulèvement pour un jeu vidéo. Et ici on va s'attaquer à deux missions de protection, je pense pour les des bâtiments de Springfield. Votre violence ne sert à rien. Voilà, allez, on y va. Ah ben, il y en a déjà un sur le centre commercial. On a un autre qui me plaît, c'est avec un donut. Je sais plus où ça se trouve. De toute façon, on l'avait vu dans le dernier épisode, comme quoi il y a eu les aliens qui sont arrivés sur Terre. On a... lui, il veut pas me lâcher. Voilà. Il y a les extraterrestres qui sont arrivés sur Terre. On a droit à... Voilà, ils ont posé leur soucoupe là. On a la statue d'un donut qui a pris vie. Et on a les dauphins qui sont retournés contre nous. Donc ici, c'est invasion des kidnappeurs de Bouzeux. D'accord. Bon, bah allez, c'est parti. On va aller faire ceci pour commencer. Et je sais que maintenant, ça va se corser. Hein. Les niveaux vont se corser un peu plus. Hein. Puisque là, je pense qu'on est... Je sais pas si on est à la moitié du jeu, mais je ne pense pas. On a, je sais pas combien il y a de niveaux en tout. Où sont les vigiles du centre commercial? Ah, quand c'est pour te choper quand tu fais pipi dans la fontaine, ils sont là. Stop, stop! Tu vois? Hip là, sale voleur! J'ai passé toute la journée à rassembler des billets pour ces machines d'images magiques à écran plat. Brandine veut regarder ces séries en HD. Cet humain a de petits morceaux de papier qui lui font faire d'énormes économies. Il faut l'étudier de plus près. L'étudier par fouille anale? Évidemment, par fouille anale. Qu'en faire sinon? Lui parler? Ah! Heureusement qu'ils s'en prennent à ce Bouzeux. C'est le moment d'attaquer. Voilà, c'est déjà n'importe quoi. Allez hop, on attaque. Ah bah attends, là, on a le Robocop. En mode Robocop pour les déclins qui ouvrent. Attends, un placement pour grappin, j'ai vu. Voilà. Bien joué! Vraiment bien joué! Votre vie s'annonce passionnante. Oh, je t'emmerde. Alors, où est-ce qu'il faut aller? Il y a encore des aliens ici.
Voilà. Dégage-toi, merci, viens. J'espère que... Alors, on va prendre Homer un peu. Homer peut inhaler de l'hélium et se mettre à flotter. Comment ça? Alors, LOL. Je lui ai répondu, c'est gentil, mademoiselle, mais ma carrière est trop importante. Attendez. Je flotte. Mince alors. Oh, on peut faire ça, Homer, c'est impressionnant, je trouve. En fait, je suis Dick Cheney depuis le début. Voilà. S'il y a quelque chose ou pas? On dirait pas qu'il y a quelque chose, non? J'ai grossi un humain. Un humain tout moche, inutile de résister. Voilà, allez hop. Oh. Désolé si je suis mal embouché aujourd'hui, j'ai mal dormi. C'est pas du tout ce que je voulais faire, hein, mais bon. Détruise le centre commercial, c'est où je vais pouvoir traîner dans le reste de ma jeunesse. J'avoue. Il y a autant d'extraterrestres dans chaque jeu. J'avoue. C'est toujours l'endroit où nous les jeunes on n'aime pas d'y aller. Ok, là c'est pour Homer. Génial. Mais j'ai appuyé sur triangle. Voilà. Ok. Ici. Et hop. Ça va faire quoi? Ok, de la vapeur, je vais pouvoir monter avec Bart. Qui paye même. La seule émotion que nous ressentons est la haine. Waouh, putain, regarde pas ça, ce gangbang. Regardez-moi ça. Tuer des humains, c'est notre vice à nous. Les humains dominent les extraterrestres. Bam. La peau humaine est délicieuse. Putain, je me fais canarder. Est bien supérieur à vos deux petits yeux. Vous êtes si faible. Ah putain. Ah putain, attends. Préparez-vous à être conquis par notre espèce. Waouh, putain, comment c'était le gangbang là. Vous n'avez pas l'air méchant. Attends, you. La Robocop là, je vais en avoir besoin. Allez, hop là. Attends, je vais essayer de les déglinguer d'ici. Je sais pas si j'y arriverai parce que là, ils sont hyper nombreux. Attends, là, il y en a moins un petit peu. Peut-être que là, je vais pouvoir me le faire. Putain, hey, on s'est fait canarder là. On s'est fait canarder là. Vous imaginez même pas compte, hein. Putain. Alors attends, qu'est-ce qu'il faut faire là? Oh, j'espère qu'ils vont pas détruire le snack bar. Le snack bar, c'est n'importe quoi. Le premier, il pense qu'à bouffer. Ok, c'est le maire qui doit aller par là. Ok. Voilà, et hop, une capsule d'œuf. Maintenant on remonte. Alors, vers les alentours, qu'est-ce qu'il y a? Avant, j'aimais bien le centre commercial, mais maintenant, il y a trop d'extraterrestres. C'est normal, Homer. C'est normal. J'ai parfois l'impression d'être un extraterrestre. C'est quoi ça? Faire quoi? D'accord, c'est pour faire ça. Okay, c'est pour aller là. Et je l'ai loupé. Je l'ai loupé. Attends, on va le faire. Voilà. Je crois que c'est l'anniversaire de l'ennemi aujourd'hui. Bon, le bâtard, il pense qu'à lui.
Il pense qu'à lui, Homer. Pinaise, c'est l'anniversaire de Lenny, je l'ai oublié. C'est moi. Attends, comment je fais pour atteindre là-bas? Est-ce que je m'en inquiète ou je m'en inquiète pas? Oh, tu sais quoi, je m'en inquiète pas. J'adore tous ces symboles. Empêcher les extraterrestres d'atteindre le fond. On dirait un de l'espace. Et c'est comme les vieux mini-jeux là en 2D. Mais merde! Putain! Oh Nelson, je t'emmerde. Putain, hey, ils font mal hein! Un tir de laser et t'es mort quoi! Putain! Un tir de laser en pleine gueule et t'es mort! J'espère. Ah non, ça va. J'allais dire, j'espère que je vais pas tout me retaper, mais non, ça va. À mon tour. Hop là, j'ai eu. Ça va être chauffé. Ça met rien à terre. Voilà. Ça, je dois encore faire ça combien de fois là? Ok, faut vraiment esquiver les rayons laser. Putain, oh merde, bouge-toi là, gros cul là. Oh, je l'ai eu. Oh putain, je l'ai eu. Eh hey, Homer, réveille-toi. Ouais, je pense qu'il faut aller là-dedans. On va aller se faire téléporter dans le vaisseau. Waouh. Mes bourrelets nous protégeront. Je voudrais juste être grouillé. Ils veulent violer mon trou de balle. C'est n'importe quoi. Je crois bien qu'ils m'ont explosé le bassin. C'est le prix de sauvage obsédé par nos fesses, voyou. En tout cas, maintenant t'es libre. Tu peux retourner à ta caravane, ta cabane, ton hangar ou je ne sais quoi. Bah, c'est peut-être un taudis, mais c'est chez moi. Ces bestioles vertes ont déclaré la guerre et elle sera finie quand je leur aurai collé mon poing dans leur tête bizarre. Repoussant mais justifié. Ah, il est avec nous maintenant. Cool. Ok, il a chopé un gun et tu sais pas d'où il sort. Ah, faut prendre une mer. Comment ça se fait qu'il se fait éclater à chaque fois, Homer? Ah ok, je vais le casser plusieurs fois. Ah, je me demandais aussi pourquoi il se détruit pas. Vous êtes si faible que c'en est risible. Okay. C'est bon, faut vraiment faire en sorte à ce que tout soit détruit. Nous allons vous scanner pour faire des perruques spatiales. Des perruques spatiales, j'ai entendu. En fait, je suis Dick Cheney. Va vous faire voir, énorme œil, bien supérieur à V. Voilà. Voilà. Vous éclatez vos mères. Putain, eux, les volants sont casse-couilles.
Voilà. Le voilà. Putain, hey, je prends cher. Putain, vous voyez, plus on avance dans le jeu, plus les ennemis sont coriaces. Zappez-les. Et voilà. Allons-y. Il est où, Homer? Il est où? Il est où? Ah, il est là. Voilà, je l'ai eu de justesse. J'ai eu de justesse, sinon j'étais mort. Rien n'a pu. Vas-y, le bouseux. Pas le bouseux, ah, référence au youtubeur. Ça, ça me manque les vidéos avec The Kairi et le bouseux quand ils faisaient des lives sur Fortnite. Là, c'était hilarant ça. Ah, c'était la belle époque. Bon, on va ouvrir. Ah non, on a arrêté le laser. D'accord. C'est quoi ce qui vient de se lever là? Oh, pas toi! Ricky Bob! Ne tentez même pas d'appeler à l'aide. Dans l'espace, personne ne peut vous entendre crier. On n'est pas dans l'espace. Eh bien, nous sommes dans un vaisseau spatial. C'est pas pareil. C'est plutôt étonnant de te voir travailler avec des aliens. N'y pensez pas trop longtemps. Concentrez-vous plutôt sur le caractère inattendu de ma présence ici pour vous menacer. De plus, je ne me lancerai pas dans des explications alambiquées. Car vous ne vivrez pas assez longtemps pour les entendre. Ainsi se brise un noble cœur. Bonne nuit, les gentils Simpson. Que le chant de cohorte d'aliens vous conduise vers le repos. Oh le con. Je t'avais dit de prendre ton râteau spatial. Peu importe, c'était vraiment idiot d'envoyer un clown sur le retour accomplir le travail d'un alien. Nous aurons notre revanche. Désolé, ma faute. Ah bah ce niveau était pas facile, honnêtement. C'était vraiment pas facile du tout, ce niveau. Mais bon, c'est rien. Au moins, on l'a fait. C'est passé. Maintenant, on va pouvoir faire la deuxième avec le donut géant là. Qui m'a l'air, je pense. Je sais plus si. Je sais pas s'il est loin ou s'il est pas. Il est tout proche. Pas tout près. On verra bien. Alors. Putain, hé. Hey. Si je fais ça. Putain, ouais, t'as beau avoir le grappin, mais c'est de la merde, quoi, quelque part. Oh, lâche-moi. Alors, il est où le rayon de lumière? Il y en a un là-bas. Ça va, Bart, t'arrêtes de faire Spider-Man, là. Pourquoi les aliens parlent mieux français que moi? Ah, Lisa est poursuivie, là, je la vois là-bas, elle est poursuivie. À moi la gloire. Que là il faut marge. Et toi, lâche ma soeur. Laisse ma soeur tranquille, sa fille d'appuie. Voilà. Gerald Power. Je remercie tous les aliens d'avoir ruiné ma journée de travail. Attends, l'autre là, je peux la voir ou pas? Désolé, Bart. Arrêtez ça. Comment va l'ancienne Miss Springfield? L'ancienne Miss Springfield? C'est pas un épisode où Lisa a voulu être Miss Springfield là ou un truc ainsi, je m'en rappelle plus. Voilà. On a un là-bas. Il y a beau esquiver. C'est tout des merdes. Ah, c'est trop lourd. Lâchez-moi les baskets. Sort pas vraiment la grosse attaque alien, hein. C'est vraiment vide, je trouve. C'est vraiment vide, à mon avis. Hein. Mais bon, faut faire avec. Hein. Après tout, c'est pas un gros jeu, hein, les Simpsons. Le jeu, c'est juste un jeu sympa pour ceux qui sont fans de la série. Hein.
Et je me demande si je... Si je compte faire les South Park. Parce que je sais qu'il y a des jeux South Park et j'adore cette série animée, franchement. Cette série, elle me fait autant rire. Que ce soit avec... Je prends ça. Voilà. Que ce soit avec Cartman sur ses réflexions à deux balles et qui agit vraiment comme un connard. Avec ses blagues sur les juifs et tout. Bah, par contre, je vous le dis, hein. Si vous regardez South Park, il y aura beaucoup de... Beaucoup de problèmes, c'est-à-dire que je dis problème, c'est-à-dire qu'il y aura des trucs racistes, sexistes, homophobes et tout le barda. Hein. Parfois ça va parler sur les juifs, parfois ça va parler sur les arabes, parfois ça va parler des blacks et tout, parfois ça va parler des discriminations et tout ça. Ça va parler tout le temps ça. Donc honnêtement, si vous tenez tant à regarder South Park, je tiens à vous préciser qu'il y a ça. Hein. Mais normalement, c'est une bonne série animée pour adultes, honnêtement. South Park, c'est vraiment un genre de film, de dessin animé. Pour adulte qui me plaît beaucoup. On est vraiment sur la violence et tout ça, ça me plaît. Bonsoir Springfield, ici Ken Brockman qui court après l'imbécile de la ville Homer Simpson et son délinquant de fils Bart qui se sont engagés dans un combat improbable contre la mascotte d'un magasin de donuts. Bart Simpson, ton père et toi, vous êtes fous ou quoi? Coucou Lenny, je passe à la téloche et je viens de dire ton nom à la téloche. Le dis pas à Carl, à moins qu'il regarde et là. Coucou Carl, dis pas à Lenny que j'ai dit ton nom. C'est con. Oh merde. Bon, faut que j'y aille. Ok, c'est parti. Hostile à chez moi alors. Waouh, ça c'est épique ça. Oh, on a plus de super héros. Comment je fais pour ça? Comment je fais pour la battre en fait? C'est pas un point faible pour quelqu'un ici. Déjà je tourne en rond sur lui, je pense pas que ça va le faire, donc je vais plutôt la gueule. Il m'a vu, c'est où je suis. Ah oui, il tire dessus. Encore plus de Krusty. Je suis à la fois excité et terrifié. Ah ok, il a un point faible dans le dos. Bien. Ça se fera dans... Pour Avengers, c'est devenu fou. Voilà. Voilà. Il faut aller sur lui et après. D'accord. Très original. L'évidence même pour les perspicaces. Ok. Où est-ce qu'il va là? Ok. Et dire que j'ai oublié mon poison anti-clown. Aie toujours confiance en toi, fiston, contrairement à moi. Que ça. Ça, les pop... Ah oui, c'est du popcorn. Ah d'accord. Là, c'est moi. Ah merde. Et n'essaie pas de me tirer dessus. Waouh, putain, le laser à la Superman qui m'a fait. Ah putain, casse-toi Krusty.
Oh, moi, je vais venir. Bon, je l'attaque par derrière. Là. Bon, on va le ramener ici. Allez, suis-moi. Suis-moi, David Donat, suis-moi. Là, on a pris assez de hauteur. On dirait qu'il charge quelque chose. C'est incroyable. Si, si, je confirme. Il s'agit d'un laser. Ok, attends, on va peut-être une autre façon parce que là, je suis un peu trop loin. Bon, tant que c'est pas chronométré, c'est le principal. Tout le monde, excusez-moi, j'avais eu un souci au niveau de mon enregistrement, donc on est reparti. Attends. Ma mère essaie de faire quelque chose là, parce que là, faut vraiment que j'attire son attention. Oh merde. Homer, bouge là! Je sais que maintenant son point faible c'est dans le dos. Homer est à terre, et vu qu'il n'a pas d'abdos, pas sûr qu'il se relève. Moi je l'ai touché! Oh non, c'est une blague! Oh non, c'est une blague, je l'avais! Oh putain, non, je l'aurais pas, oh, chier. Il fuit les difficultés. Après tout, Donny Donald est un homme comme les autres. Enfin, non. Putain, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu, pourquoi je pouvais pas l'atteindre. Attends, là. Là, tu vas pas me dire que là, je pourrais pas l'atteindre. Mais non, mais... J'aimerais non, mais... Oh, c'est le seum. Oh non, j'ai le seum, putain. C'est à cause de cette caméra, putain. Ça m'énerve, ça. Enfin, si ça peut permettre de dépoussiérer notre pauvre système pénal, je suis de tout cœur avec lui. Fous-moi la paix! Contrairement à moi! Ok, il me lâche pas. Recharger son laser, je ne peux m'empêcher de penser à ma femme avec sa carte de crédit. Là, j'ai eu, allez. Troisième fois, c'est la bonne. Eh ben voilà. On en est encore plus haut. Combien de temps l'icône de la magie pourra-t-elle encore résister? Allez, on y est presque. On l'a presque eu. Costi qui veut vraiment pas me lâcher la tête. Là, on essaie de ne pas le rater. C'est une blague, franchement. Attendez, vous n'êtes peut-être pas perdu. Et hop, voilà, je l'ai eu.
Voilà, je l'ai eu. Putain, cette caméra de merde que j'ai, quoi. Voilà. Au moins, lui, il est KO, il nous emmerdera plus. Numéro 1, c'est nous les numéro 1, et puis c'est tout. Hé, hey Homer, essaie de te montrer un minimum digne dans la victoire. Manchette de dé à la noix, Nom de tentacule, comment Dodu Donut a-t-il pu perdre? Ne crie pas sur Dodu Donut, quand c'est sur moi que tu veux crier. C'est vrai, j'ai tout fait capoter. Tu as raison, je t'en veux terriblement. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Oh bah voilà, ça c'est fait. Maintenant, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. On aura fait deux missions. Avec Homer et Bart, c'est déjà très bien. Dans le prochain épisode, on fera les missions sur les dauphins et après on verra qu'est-ce que ça va être par la suite. Ah, mais en tout cas, je pensais que cette vidéo allait durer assez sympathique, mais bon, vu assez sympa et tout ça. Mais vu que... Détruisez l'école, s'il vous plaît. Détruisez l'école, s'il vous plaît. C'est la fin des temps. Il y a même plus de... Mais que vu que j'ai eu un crash, enfin pas un crash, mais que j'ai eu un souci avec mon micro, encore une fois, ça m'énerve tellement, quoi. Putain, j'ai eu le même coup avec le DLC Nightwing d'Arkham Knight, c'est bon, quoi. Je remercie tous les aliens d'avoir ruiné ma journée de travail. Non, laisse-moi. Laisse-moi. Oh, laissez. T'as tout de me taper. Voilà. Non, laisse-moi. Je me demande si les aliens m'entendent crier sur Skinner depuis leur planète. Bonne idée, monsieur l'inspecteur. Comme il aime pas gueuler, Skinner! Ouais, ils se pètent la gueule entre eux, c'est nickel. C'est nickel s'ils se pètent la gueule entre eux. Là, y'a rien. Pom 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 pom, bah, je vois qu'il n'y a plus rien. Bon, bah, on va s'arrêter là alors. Vous avez écrasé le pied de cet homme, Reiner. En tant qu'avocat, je préconise un règlement à l'amiable. Et si je lui dirais une balle dans la tête et qu'on glaçait la verre? Non, vous seriez inculpé pour meurtre. Voilà. On va s'arrêter ici pour ce quatrième épisode des Simpsons. Je m'excuse si j'ai pas beaucoup parlé, mais... Putain. Ça n'impressionnerait pas les jurés. Je l'ai tiré aussi, tout le monde. Qui cause comme ça, là? Bon, on va se réfugier dans l'école, peut-être que là on risque rien. Alors on va se réfugier là, on risque rien, on aura la paix. Je crains que Mère n'apprécie pas trop ce désordre. Bref, on va s'arrêter ici pour ce quatrième épisode des Simpsons, le jeu. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer les vidéos sur la chaîne. Mais aussi à vous abonner pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont toujours pas encore abonnés à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à tous à la prochaine. N'oubliez pas le grand Pixman et tout ce qui fait plaisir. Je pourrais faire un truc horrible pendant que les extraterrestres distraient tout le monde. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il faut surtout pas la gâcher parce que c'est moi qui vous le dis. Allez! A plus tout le monde, salut!